Docteur Courtemanche, s'il vous plaît. Docteur Courtemanche. Est-ce que c'est toi, la sœur de... Oui. Tes parents sont pas arrivés? Non, pas encore. Ils étaient pas à maison quand t'es tombée. Faut pas que tu t'inquiètes, là. Hein? Y a plus de danger. Mais c'est-tu un accident grave? J'étais assez énervée. Moi, c'est-tu grave? Parce qu'il y avait la jambe, là, le sang partout. C'est parce que c'est une fracture ouverte. Mais présentement, tout est sous contrôle. Oui, mais tomber sans connaissance dans la ruelle. Ça, je l'ai dit à l'infirmière. C'est normal, ça. Faut plus que tu t'en fasses avec ça. Ça arrive. C'est inquiétant, c'est douloureux, mais il y a du monde qui tombe sans connaissance pour bien moins que ça, tu sais. Plus que tu t'en fasses avec ça, ma grande, tu vas voir, ça va bien aller. Mais elle arrête pas de crier. Allez-vous lui donner des pilules pour le mal? Je sais pas, moi. On peut rien lui donner pour l'instant. Il faut compléter les tests. Je vais aller vérifier son pansement, là, puis je vais lui prescrire des antibiotiques pour prévenir les risques d'infection. OK? OK, merci beaucoup, Dom. Je sais que ça fait mal, ma chouette. J'aime pas ça. Oh, j'aime pas ça. Mais qu'est-ce qu'ils font qui arrivent pas? Il me semble que ça fait 100 ans que je suis ici. Ça fait même pas 3 quarts d'heure. Moi qui pensais que ça roulait vite une ambulance. Ben, elle devait aller vite pourtant. On a passé sur bien des lumières rouges. Je ne sais pas comment j'ai fait tout à l'heure pour pas capoter avec le sang puis tout. Je sais même pas ce que je fais avec mon Walkman dans les mains. Ah, une chance que Mme Bourette était là pour garder Mathieu. Es-tu mort? Kiki est mort! Ben non, Mathieu. Ben non. Oh, je sais pas ce qu'ils attendent pour la bloquer, cette ruelle-là. Faudrait que j'écrive aux députés. Il y a un enfant qui est mort à la même place, pas plus tard que l'année passée. Ben non, pauvre trésor. Fallait que je m'occupe de l'ambulance pendant que le voisin qui l'avait accroché, il arrêtait pas de me donner ses cartes d'affaires de vendeur de balayeuse. Docteur, je peux-tu retourner la voir, là? Bien sûr, ma grande. Mais il faut que tu essaies de rester le plus calme possible, hein? Oh, oui, c'est correct. Merci. Oh, ma petite Kiki. Madame Bourette, on ne les retrouvera jamais, mes parents. Ben oui, voyons. Pauvre toi, je ne sais plus. Moi, je fais ce que je peux, là. Ils sont pas au dépanneur, puis ils étaient plus au supermarché quand j'ai téléphoné. Mais quand ils vont arriver, il va être trop tard. Ben non, mon trésor. Tu sais, le docteur attendra pas que ta mère puis ton père arrivent avant de la soigner, là. T'as vu les messieurs de l'ambulance, là? Ils ont commencé à la soigner tout de suite en arrivant. Puis il faut pas que tu oublies, Kiki n'est pas toute seule. Suzanne est là. Une chance que Suzanne savait le numéro de l'ambulance par cœur. Une chance, hein? Ben oui. Hey, Suzanne, là, elle m'a même pas chicanée. Ben, pourquoi elle t'aurait disputé? Ouais. Tu veux pas de biscuits, là? T'as rien mangé, t'as même pas dîné. Hey, Flip, là, il a eu tellement peur qu'il est allé se gâcher en dessous du hangar. Mais c'est pas de ma faute, là, tout. Tiens, lève-la. J'y vais! Non, Mathieu! Laisse-moi faire, là! Faut pas que tu les énerves pour rien! Mathieu! Ouais, pourquoi t'as pas laissé une boîte dans l'auto aussi? Ah, tu vas tout échapper? C'est Kiki! Qu'est-ce qu'il y a? Tu as levé quelque chose? J'ai le maudit fou qui va dans les balayeuses, le troisième voisin! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il a fait? Ben, elle est tombée en bas de sa bicyclette, là, parce que le gars reculait dans la ruelle, mais c'est juste sa jambe, hein? Quoi? Oh, mon Dieu! Où est-ce qu'elle est, là? Elle est à Sainte-Justine, là. Elle est partie en ambulance, mais Suzanne est avec elle. Oh, fille! Étais-tu sans connaissance? Oui, elle était comme morte! Pouvez-vous garder Mathieu? Bien sûr. Puis la comment? Maman! Mathieu! J'ai pas eu le temps de rien dire! J'ai tout vu, moi, tout! Quand ils sont arrivés à l'hôpital, c'était épouvantable. J'essayais de leur dire ce qui s'était passé, ce que le médecin m'avait dit. Mais ils m'écoutaient pas. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit d'être là? Mais parce que la radiographie, c'est dangereux. Mon Dieu, elle crie au meurtre, la petite. Qu'est-ce qu'ils font, pour l'amour du ciel? Ils vont-tu arrêter? C'est juste sa jambe, là. J'ai parlé au docteur, puis il m'a dit que... Dis-moi la vérité, là.
La petite a été blessée à terre. Mais non! C'est un gars qui reculait tranquillement qui l'a frappé. Mais Kiki, elle a eu peur, elle a voulu se dégager en vitesse, puis elle est tombée en bas de sa bicyclette, c'est tout. Phil, reste pas là, on a fait quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a? C'est le gars qui l'a frappé. C'est qui? Il s'est pas sauvé toujours. Où c'est que t'étais, toi, pendant ce temps-là? La surveillais pas ou quoi? Où est-ce qu'il est, le médecin, là? Le gars l'a peut-être frappé plus fort qu'on pense. Ils ont-tu vérifié s'il y avait quelque chose à la tête? Faut tout le dire au médecin. J'ai dit. C'est vrai qu'elle s'est fait mal de même, juste en tombant de son bicycle, ça me dépasse. Tu peux me dire pourquoi tu les as laissé prendre le bicycle de ce temps-ci? Hey, penses-tu qu'ils sont venus me le demander? C'est qui le gars qui l'a frappé? Y a-tu quelqu'un qui l'a examiné au moins, la petite? Oui, c'est Docteur Courtemanche. Attends, c'est lui, là. Docteur Courtemanche? On est les parents de Nadine Ross, ouais. Bonjour. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est-tu grave? Non, 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 ça va bien, ouais. Dans la mesure où tout est bien contrôlé. Mais oui, mais allez-vous lui donner quelque chose contre la douleur? Ben non, malheureusement, on ne peut rien lui donner avant d'avoir complété les tests. Mais dès que ce sera possible, on va lui donner un sédatif. Ouais. Inquiétez-vous pas, votre fille n'est absolument pas en danger. Ouais. On a pris une culture de la plaie et puis on lui a donné des antibiotiques pour éviter tous les risques d'infection. Ouais. Et là, on fait une radiographie pour s'assurer qu'il n'y a rien de cassé plus haut dans la hanche. Oui. Mais rassurez-vous, d'après moi, il ne devrait rien avoir de ce côté-là. On prend toutes les précautions. Mais oui, mais elle souffle le martyr. Qu'est-ce que vous allez faire pour ça? Ben là, on la prépare pour une opération. On va l'opérer à la jambe dans 4 heures. Hein? C'est rien qu'une petite opération qui dure environ 2 heures. Pas de problème. Mais oui, mais dans 4 heures, il me semble que ça n'a pas de bon sens. Ben, il faut attendre au moins 4 heures pour qu'elle soit à jambe. Vous allez l'opérer pourquoi? C'est la seule solution. Pourquoi faire une opération? D'abord, il faut nettoyer la plaie et te replacer l'os, lui étirer la jambe. On lui fait pas de plâtre, elle va avoir la jambe en traction. Mais inquiétez-vous pas, ça va bien aller. Faudrait pas le docteur arrêtait pas de leur dire un paquet d'affaires pour les calmer. Mais je suis même pas sûre qu'ils en ont compris la moitié. On a une chambre pour elle au 5e. Tout va bien. Tout va bien. Mais quand ils ont ouvert la porte, maman puis papa sont devenus blancs comme deux draps. Pleure pas, ma petite. Maman se retenait pour pas pleurer. Tout va bien, Laure. Et pas peur. Laure, l'histoire venait juste de commencer. Après l'opération, ça s'est comme un peu calmé. L'anesthésie avait eu un effet sur tout le monde. Tu devrais peut-être rentrer à la maison. Non, qu'est-ce que t'en penses, Suzanne? Aller t'occuper de Mathieu, puis te reposer un peu. C'était la première fois qu'il pensait au reste de la famille depuis qu'il était rentré à l'hôpital. Mais oui, mais qu'est-ce que tu veux? Mais pourquoi tu rentres pas avec elle? Ça, maman était fière de pouvoir rester accoucher à l'hôpital. Au début, elle croyait pas quand l'infirmière y avait dit qu'elle pouvait rester. Il était moins pire qu'au début, mais il chantait bien qu'il était encore inquiet. On aurait dit qu'il cherchait un grand coupable. Même moi, j'y avais passé. Quand t'avais le malheur de bouger le petit doigt, il recommençait à s'accuser pour tout à chaque fois. Oh, c'est... Ils sont pas obligés de travailler comme des perdus pour arriver aussi. Ils n'ont que le temps de jouer avec eux autres. Mais... Que je m'haïs donc de pas avoir été là. Ce soir-là, quand je suis revenue à la maison, j'étais fatiguée morte. Il devait être 7h30. Mathieu vient juste de remonter, là. Puis Gilles est arrivé, hein? En retard, comme d'habitude. Puis là, je me disais que j'avais intérêt à remonter au plus vite. J'espérais juste pouvoir tout raconter à Gilles moi-même, parce que lui, il est pas mal sensé, puis vu que Mathieu, il aime les détails sanglants. Oh, je t'ai trouvé assez bonne, moi, là. J'aurais pas été capable de rester calme comme tu l'as fait. Non. Tu sais que tu m'as impressionnée, hein? Oh, tu m'as vraiment impressionnée. Ah oui? Ah oui. Bon, ben, bye, là. C'est ça. Bye. Madame Bourette était la première à me faire des compliments. Quand je suis rentrée à la maison, le pire était déjà arrivé. Gilles était à côté sur le sofa avec une serviette sur la tête, à moitié sans connaissance. Puis Mathieu qui me regardait comme un chien battu. Je te jure, j'ai pas fait exprès. J'ai juste dit que Kiki, avec son os, il sortait puis qu'il y avait du sang partout autour de toi. Suzanne, fais quelque chose avec lui, là. Si tu sors pas de la maison, je le rentre dans le mur. Les filles, les guenilles, hein? Le soir, j'ai été fouillée dans tes jouets pour essayer de trouver ta bout de chou. Mais j'ai dû pogner le fixe parce que quand papa est rentré de l'hôpital, je l'avais pas encore trouvé. Suzanne? Papa,
Les affaires de Kiki et Thomas, c'est pas prêt? Oh non, Mathieu, j'ai pas le temps, là, je suis fatigué, là, faut que je retourne à l'hôpital, là. Oh, mais d'abord, tu sais-tu que je te raconte quand Gilles a perdu connaissance? Gilles, c'est-tu vrai, ça? As-tu perdu connaissance? Non! Oui, c'est vrai! Hé, hey, Mathieu, c'est pas le temps, là. Papa, il est resté quelques minutes, puis il est reparti. J'aurais voulu en savoir plus long, mais il n'a pas resté assez longtemps. Non, mais moi, non, là, là, j'y vais, les enfants, là, puis inquiétez-vous pas, là, ça va bien, hein? Bye-bye. Ce soir-là, je sais pas ce qui s'est passé à l'hôpital. J'étais pas là. Tout ce que j'espère, c'est qu'elle revienne comme avant. Parce que c'est pas n'importe quoi, cette fracture-là. Stelle, t'étais là, tu l'as entendu, le médecin. Ben oui, mais il a aussi dit qu'elle allait être obligée de faire de la physiothérapie pendant un bout de temps. Ben oui, il va falloir qu'elle réapprenne à bouger ses muscles tranquillement. Tout d'un coup, qu'ils nous ont pas dit la vérité, eux autres-là. Stelle, faut qu'on arrête de douter tout le temps. Bon. Qu'est-ce qu'il y a, ma puce? Ça fait mal. Oui, ben ça va passer, tu vas voir, ça durera pas longtemps. Il me semble que ces calmants font pas d'effet. À quelle heure ils ont donné sa piqûre? C'est pas. Bon. Où est-ce que ça fait mal, ma chouette? Ma jambe, ça fait encore mal. Regarde, tu vas voir, là, ça va arrêter de faire mal. Arrête de penser que ça fait mal, puis ça fera plus mal. Tu vas voir, Kiki. Veux-tu que papa te raconte une histoire avant de s'en aller? Non, hein? Non, je veux pas que tu t'en ailles. Kiki, j'ai pas le choix. Oui, mais maman va rester. Elle. Maman reste avec toi. C'est parce que papa, il est obligé de s'en aller, ma puce. Mais maman va rester. Il me semble qu'elle se plaint plus que cet après-midi. Qu'est-ce que t'en penses? Bon, j'ai envie d'appeler l'infirmière. C'est pas normal. Ben, ça. On dit que ça ferait mal. On peut rien faire de plus. Ah oh, bon, elle est là. Puis, comment elle va, notre puce? Ben, pas pire, mais elle se plaint pas mal. Je trouve que ça a l'air de faire encore mal, beaucoup. Ouais. Hein? C'est le temps de son injection? J'ai mal. Ça va-tu être la même dose encore, là? Parce qu'il me semble que ça fait pas tellement d'effet. Ben, ça enlève jamais complètement la douleur, c'est sûr. Bon, ça sera pas long. Si vous préférez sortir, là, c'est le temps. Non, je veux pas faire tout. Mais non, mais toi, tu sais bien que maman va rester ici. De toute façon, papa, il va revenir. Il te l'a dit, il te l'a promis. Oui, hein? Oui. Là, Monique va te donner ta piqûre. Hein? Puis là, quasiment toutes tes douleurs vont s'en aller. Tu vas voir, tu vas te sentir bien mieux après, Kiki. Regarde-moi un peu, ma chouette. Ouf. J'ai un bon petit truc qui va t'aider. Alors, tu prends une grande respiration. Et puis, ça va piquer, mais moins fort. Quand papa est revenu de l'hôpital, j'étais étendue sur le sofa. Papa s'était pris une bière comme il fait tout le temps dans les grandes occasions. Puis il s'est mis à pleurer. Ça aussi, ça y arrive juste dans les grandes occasions. Mais il a arrêté tout de suite quand il a vu que je dormais pas. Tu dors pas? Non, je dors pas. Puis, quoi de neuf? Ah, oh, ben, le médecin a dit qu'il fallait qu'elle reste là 21 jours. 21 jours? Ouais, mais tout va bien, là. Je pense que c'est correct, là. On n'a pas d'affaire à s'inquiéter. Je l'ai écouté me raconter tout ce qui s'était passé. C'est comment est-ce qu'elle a hissé le piqûre? Je pense que ça lui faisait du bien. La garde malade était obligée de la calmer, là. Elle se retenait à deux mains pour pas se faire piquer à la place de Kiki. Papa avait pas arrêté de répéter que le monde de l'hôpital était bien fin, que tout allait bien, mais il avait pas l'air convaincu. Surtout qu'il avait pleuré. Mais je sais pas, j'ai eu bien de la misère à m'endormir. Mathieu aussi. Je suis pas capable de dormir dans mon lit. Il y a une base dans mon matelas, puis j'ai les ronfles. J'aimerais mieux rester avec toi. Il me demande ça tellement gentiment. Je peux pas le retourner tout de suite. Qu'est-ce que t'as, Mathieu? J'ai peur. Kiki est malade. Oh, t'as pas d'affaire à t'inquiéter, là. Je suis sûre qu'elle dort Kiki maintenant. Mais Kiki, là, elle va-tu revenir comme avant? Ben oui, c'est sûr. C'est moi, j'ai dit à Kiki de faire attention à l'auto, oui, puis... Oui, ça, je le sais, tu me l'as dit. On va aller la voir demain, OK? Va te coucher. Mm. Je te jure, là, tout va bien. Tout va bien. Mm. Okay. Bonne nuit. Bonne nuit. Ça a eu l'air de le calmer. Mais moi, j'étais pas sûre du tout que tout allait si bien que ça.
Parce que l'après-midi, toi, qu'est-ce qui est arrivé? J'ai cassé ma jambe là un an. Ben oui, quand j'avais 11 ans. Mais pareil que mon os est tout croche. Là, je me suis mise à avoir bien peur que tu guéris jamais. Ça te fait encore mal? C'est peut-être pour ça que papa et maman avaient l'air si inquiets. Je savais plus trop quoi penser. Mais j'avais bien peur. De l'hôpital, tout ça. Pour m'endormir, j'ai essayé d'imaginer ce que j'aurais voulu qu'on me dise, puis qu'on me fasse si j'avais eu 6 ans, puis que j'avais été couchée sur un lit d'hôpital. Heureusement que maman était là avec toi pour te faire des petits becs dans l'oreille. Hein? Mais moi, malgré tout ce que le monde m'avait dit, je croyais plus personne. Je croyais juste ma peur. Le dimanche après-midi, je suis partie de la maison sans le dire à personne. Dans l'autobus, le chauffeur était de bonne humeur pour une fois. Ah, oh, bonjour, Suzanne. Salut. Dis donc, c'est-tu la poupée de ta sœur, ça? Ben, oui. La prêtes-tu? Pourquoi? Inquiète-toi pas, j'y ferai pas mal. Bon, ben, c'est correct. Eh ben. Oh, Suzanne! Oh, allô! Comment ça va, là, aujourd'hui? Je suis malade. T'es malade? Ah, bien dormi. Pour fêter ça, j'ai sorti mes photos de famille, puis je les ai accrochées pour que tu nous sentes plus avec toi. Plus tard, toute la famille s'est retrouvée à l'hôpital. Voyons donc, ça n'a pas d'allure. Non, 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 Estelle, tu passeras pas la semaine ici. Je vais venir à soir, moi. Demain, Suzanne, elle peut passer la journée ici. Hein, Suzanne? Oui, oui, pas de problème. Faut que tu te reposes, Estelle. Je suis pas obligée de rentrer travailler demain, tu sais. Ça fait 24 heures en ligne, quasiment. Ça arrange mon père quand ma mère se met toute sur le dos. Puis elle a raison aussi. Elle veut tout faire, puis après un bout de temps, elle vient de mauvaise humeur. Mais pour une fois, il a gagné son point. Faut que tu te reposes aussi. OK, d'abord, on va s'en occuper chacun de notre tour, c'est correct. Fait que tu sais, c'était notre troisième voisin. Maintenant que t'es hors de danger. Gilles y a tourné de l'œil toute l'après-midi, pendant que Mathieu a fait de l'œil, lui, à la voisine. Mais il arrêtait pas de vouloir raconter l'accident. Kiki était toute couchée dans le ruelle, puis sa jambe, elle sortait toute, c'était toute. Mathieu, viens donc ici, 2 minutes, je veux te parler. Mais c'est pas, je vais y raconter, j'ai tout vu, Mathieu, moi, j'ai tout. Mathieu, viens ici, j'ai dit. Oh. Bon, viens dans le corridor. Est-ce que ça raconte une histoire? J'ai trouvé ma mère bien, bien bonne d'écouter les histoires de Mathieu. Puis plus elle écoutait, plus il en mettait. Mais moi, là, ce qui m'a surpris, c'est qu'elle a fini par comprendre que Mathieu, là, quand il nous achète, c'est pas pour rien. T'as pas eu peur quand Kiki est tombée? Non, je suis montée chercher Suzanne en haut. Oh, ben t'es bon, parce que moi, je te dis que j'aurais eu peur. Hein? Mais pourquoi tu dis que Kiki est tombée quand tu as dit de faire attention à l'auto? C'est ça que je comprends pas. Si j'avais pas dit ça, j'avais pas crié ça, elle serait tombée pareil. Hein? Hein? Ben, pas de ma faute, hein? Mais non, Mathieu, c'est sûr que c'est pas de ta faute, certain. Voyons donc. T'as bien fait de dire de faire attention à l'auto. Tellement je savais que t'étais toi, ben, j'aurais demandé la permission à Suzanne avant de sortir les bicyclettes, tu sais, avec la neige qu'il y a dehors, franchement. Merci. Mais c'est pour Kiki. Oh, c'est bien cute, ça. C'est fin. Merci beaucoup. Hey, Mathieu, va porter ça à Kiki, ça va y faire une belle surprise. OK. Okay? Vas-y, mon cœur. Hey, Kiki, une surprise pour toi. Merci beaucoup, hein, pour la poupée. C'est cute, c'est une bonne idée. Puis je voulais surtout vous remercier pour hier soir. Puis je m'excuse encore si j'ai été nerveuse, là. En fait, je me trouve pas tellement brave depuis que je suis arrivée ici. C'est correct. Faites-vous-en pas avec ça, j'ai déjà vu bien pire. Mais que si vous voulez, c'était la première fois que je voyais un de mes enfants souffrir de même, puis j'ai complètement perdu la carte. Si j'ai été brusque avec vous, là, c'est vraiment pas pour mal faire. Mais j'avais pas confiance en personne, je m'en aperçois, là. Je comprends. Mais je sais par expérience que plus on est calme, plus ça aide. Ben, je le sais bien trop. Quand je suis venue à bout de me calmer, j'ai bien compris que ce que Kiki avait le plus besoin, finalement, c'était que je sois là à côté d'elle. Pour une fois, maman se sentait en confiance. Non, non, continue l'histoire. OK. Bon, Madame Bourette est venue te voir plus tard avec ses bonbons surettes et ses fleurs en chocolat. Puis papa en a mis la moitié dans un sac pour les emporter à Mathieu pour pas qu'il soit jaloux. Mais y a-t-il encore peur de dormir, Mathieu? Non, non, après que t'as eu à l'hôpital, c'était fini.
Et là, ça fait 2 jours qu'il joue au docteur avec ses chums. Ils ont même mis un bandage sur la patte de Flip pour jouer. Flip était cette année. Bon, ben, je vais arrêter, là. Je vais te laisser dormir. Non, je veux que tu me racontes mon histoire encore. Encore? Oui. Bon, OK, juste un autre petit bout. Papa et maman sont venus te voir tous les jours. Après quelque temps, ils étaient moins énervés. Heureusement, parce qu'on aurait pensé qu'ils en voulaient au monde entier. Pourquoi ils étaient comme ça? Ben, c'est parce que quand t'avais mal, beaucoup, beaucoup mal, maman puis papa, ça leur faisait mal, eux aussi. Pourquoi? Ben, parce qu'ils t'aiment. Puis vu que t'es petite puis qu'eux autres, ils sont grands, ben, ils pensaient qui pouvait t'empêcher d'avoir de la peine puis d'avoir mal, mais c'est pas toujours de même que ça se passe. Ah, allô? Chut, chut. Je suis surpris de savoir que t'as vu tout sur toi. Tu m'étonnes. Il y a bien des choses, tu sais, que je vois puis que je dis pas. En tout cas, je suis fier de toi. C'est pas toujours facile de savoir quoi faire dans ces moments-là. Vous avez été là, c'est ça qui est important. C'est ce qu'on a compris à un moment donné. Oui. J'ai compté bien les petits bouts de cette histoire-là à ma sœur. Le reste, je vais continuer à l'écrire. Quand on va être bien vieille, là, quand t'auras 20 ans puis que moi j'en aurai 30, je vais te raconter. Puis toi, là, tu me croiras même pas. Ha 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 ha